on a beaucoup de secteurs des services, notamment donc les services d'hôtellerie, restauration, on a les services événementiels, l'activité touristique dans son ensemble qui représente un poids très important, notamment dans la région, mais aussi et surtout dans le département des Alpes-Maritimes. On a également les activités de commerce au sens large, même si certaines ont mieux rebondi ou pu fonctionner sur l'année. En revanche, l'industrie a plutôt bien résisté, malheureusement, dans le département en particulier, elle est moins représentée qu'ailleurs dans la région, ce qui explique une performance relative plus difficile sur le département que sur la région, et la région est elle-même quand même très touchée parmi l'ensemble des régions françaises. Toutes les entreprises aujourd'hui qui font appel, qui ont fait appel au PGE et qui ont commencé à consommer le PGE vont connaître bien sûr des difficultés en trésorerie, puisqu'elles commencent à consommer ce qui aurait pu leur permettre de faire de la relance. Et aujourd'hui, petit à petit, même les compensations financières que fait l'État dans certaines activités ne sont pas suffisantes pour avoir une trésorerie qui se reconstitue. On est plutôt en contrainte par rapport aux trésoreries. Et nous avons surtout la grosse problématique, c'est l'incertitude. C'est que maintenant ça va durer encore, et quand c'est que réellement nous pourrons retrouver une activité, on va dire pas normale, mais je dirais qui puisse progresser par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons amené avec la Banque Centrale Européenne une aide au refinancement de manière massive pour que les entreprises trouvent la liquidité qui leur est nécessaire. Donc ça s'est passé par les canaux bancaires pour une grande part. Ça passe aussi par l'achat de la dette accrue qui s'est faite de la part des États durant cette crise. Et donc, les banques ont pu prêter à des conditions de taux favorables aux entreprises. Et on a vu donc la croissance de l'endettement des entreprises être assez importante, notamment en France, où elle est la plus importante de l'eurosystème, permettant donc aux entreprises de maintenir leur trésorerie et de pouvoir aussi parfois maintenir des investissements en vue du rebond de l'année 2021. Si on veut rebondir très vite, il faut que les moyens financiers nous permettent d'y arriver, et il faut que les entreprises puissent obtenir ce qu'elles ont besoin, c'est-à-dire de la liquidité et des capacités, d'avoir des besoins en fonds de roulement importants. Les fonds de solidarité et tous ces aspects-là ont permis aux entreprises qui étaient en grande difficulté de résister, mais elles n'ont que fait que résister, elles n'ont pas consolidé, se sont pour certaines affaiblies. Donc nous devons attendre maintenant les évolutions après le Covid pour voir ce qui peut se passer.